N'hésitez pas à commenter, partager et aimer si cette vidéo vous plaît. Je vous rappelle que j'ai un compte Instagram aussi. N'hésitez pas, activez la cloche. Vous savez ce que vous avez à faire. Allez, on est parti tout de suite. Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Ratchet & Clank. Donc là, c'est le 11e épisode. Donc, juste avant de m'occuper de Slag, enfin, vous m'avez compris, du grand méchant pirate, eh ben, je me suis rappelé qu'il y avait une planète pirate, justement. Où il y avait des portes où on ne pouvait pas aller. Donc là, je vais m'y rendre, je vais y aller, et je vais voir ce qu'il y a derrière ces portes. Parce que ça m'intrigue. Seul un vrai pirate peut entrer, danse la gigue et montre-moi ce que t'as dans le ventre. Allez, on commence. Ok. À gauche, en haut, à gauche, en haut, à droite, en haut, à gauche, à droite, en haut, et on bouge son corps. Merci bien. Oh, c'était pour un boulon. Ok. Bah, je vous avouerai que j'espérais mieux. Je sais pas s'il y en avait d'autres. J'ai un doute, je crois qu'il y en avait un autre à un moment. Mais je ne suis plus très sûr. Je ne suis plus très sûr, plus sûr du tout même. Bon, en off, j'ai augmenté les armes. J'ai augmenté le pic-à-pic V3, alors qu'il était V1. Le négociateur, je l'ai passé V4, alors qu'il était V3. Et le dérangeur, je l'ai passé V3 alors qu'il était V2. Donc j'augmente toutes les armes comme on me le dit de le faire, hein, petit à petit. Bon, bah je crois que j'ai fait le tour de cette planète. S'il y a un autre endroit où il fallait aller, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'y retournerai. Parce que j'ai un léger doute. Je crois qu'il y avait un autre endroit où il fallait aller, mais je ne suis pas sûr du tout. Mais j'ai pas envie de perdre beaucoup de temps non plus. Bref, on est parti pour le vaisseau de Schlag, au passage Ublick. Donc c'est parti. Il fait chaud, hein. Moi, je suis en sueur, là. Vous avez vu le match de l'équipe de France? Oh là là. L'arbitrage. Oh, je lui aurais mis des coups de savate. Heureusement, on gagne, mais franchement... L'arbitre, il était allemand, hein. C'était pas possible. Ratchet, la situation tourne au vinaigre. J'envoie un signal au communicateur de Kronk pour envoi d'aide urgente. D'accord, mais je n'attendrai pas sans rien faire. Il faut qu'on trouve le dimensionnateur avant que Slag ne fasse encore des siennes. Allez, Kronk a demandé de l'aide, mais nous on va pas attendre, on va commencer tout de suite. Ah ok, d'accord. On va utiliser le négociateur en espérant le faire augmenter jusqu'au niveau V5. Donc le dernier niveau, ça serait cool. Attention, misérable lavette. Je vous rappelle que la fête des mers, c'est pour bientôt. En honneur de ce grand jour, la présidente Sordum a décidé de rallonger les heures visites pour qu'on ait la chance de passer plus de temps avec leur maman chérie. Plus de temps avec leur maman chérie. Ça fait très 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 pirate tout ça. Non mais... Je veux détruire ça là, comment je fais? Voilà, merci. Ok, bah attends, tu veux... Tiens, regarde. Moi aussi, je t'accueille comme il faut, t'inquiète, mon gars. Allez, il n'y a plus de balles. Alpha dérangeur. Ouh, c'est efficace. J'espère que je vais récupérer... Ah oui, c'est bien, ça. Ouah, presque 2000. Oh, c'est bien. Bah oui, je suis bête. Faut que je me transforme en pirate avant. Mais... Allez hop.
on est parti. J'ai augmenté ma vie aussi, j'ai oublié de le dire, mais... Je croyais t'avoir déjà dit que... Oh, désolé, l'ami. Je t'ai pris pour cette boule de poil qui essayait de s'incruster. Dans ce logique, tu pourras entrer. Allez, on commence. On danse. À droite. À gauche. En haut. En haut. À droite. Enfin, à gauche, à droite. On bouge, on bouge, on bouge. En haut. On bouge. Ah, c'est sportif, hein. Allez. Alors là, j'ai plus de munitions de ça. J'ai l'alpha dérangeur encore. On va l'utiliser. Et après, je vais essayer d'utiliser le pic-à-pic, mais j'ai vraiment beaucoup de mal. Parce qu'il faut mettre masse de dégâts. Hein. Regardez, je prends tellement de dégâts. Pourtant, j'essaie d'esquiver. Hein. Bon, contre lui, ça sert à rien. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, attendez, j'ai besoin de réflexion. Je vais mourir tout à l'heure. Putain, 16 de vie, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas de la vie derrière moi? Non, il n'y a même pas de vie derrière moi. Ah là 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 là, j'ai pris tellement cher. Bon, c'est pas grave. Allez, allez. On fait pas attention à la vie. Aïe, 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 aïe. Par contre, eux, ils vont mettre tellement cher. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, j'ai récupéré des munitions. Et voilà. Et là, il y a un truc pour récupérer des munitions. Donc, j'achète tout ce que je peux. Au niveau de l'amélioration des armes, comme vous pouvez le voir, l'alpha dérangeur, il fait 6000 de dégâts, ce qui est ouf. Et j'hésite à acheter plus de dégâts. Allez, vas-y. Il fait 500 de dégâts en plus. Ce qui est monstrueux. Tellement efficace, cette arme. Ok, il y a un boss. Il est où? Ok, d'accord. Il est là. Petit coup de grouviton. Pour lui faire honneur. Ouloulouloulou. N'empêche, elle augmente énormément, là, mon arme. Ce qui fait plaisir. Ça fait zizir. What the fuck? Il m'a mis... Attends, il y a... Avant, j'avais toute ma vie, là. Il m'a mis trop cher. Alors, on va récupérer de la vie. On va changer d'arme. Je ne sais pas quoi prendre. Ouais, petite nuit toxique. Mais c'est un peu dommage... Ne pas utiliser notre arme. Mais en même temps, là, je suis un peu à court d'idées. Allez, on va utiliser cette arme-là parce que je l'aime bien. Lui, par contre, il est protégé, donc ça sert à rien. Et B. Putain, mais... Tu vois, ces armes-là, là, qui valent plus rien maintenant, c'est dur. Il y a des armes, elles sont complètement useless. Alors qu'au début, elles faisaient le taf. Aïe, 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 aïe. Allez, voilà, bouge. Au revoir. La bise au fond du puits. Donc à mon avis, il faut aller par là. On y va de ce pas. Il faut sans doute faire quelque chose. J'hésite à aller re-acheter des munitions. Je pense que c'est ce que je vais faire. Pas pour récupérer de la... Merde. Je vais dire pas pour récupérer de la vie, mais vraiment pour récupérer des munitions. Parce que là...
Si je veux que mes armes elles augmentent, j'ai pas trop le choix. Mais c'est pas grave. Là, il y a... Ah, yes. Ça fait tellement plaisir. 30, 3600. Ça fait plaisir. Allez, des munitions. N'importe quoi. Oh, par contre, lui. Vite. Mais non! C'est bon, je crois qu'il est mort. Heureusement, je l'ai vu direct. Parce que lui, là, derrière son machin, là, il pique, hein. Derrière la tourelle, ça picote. On récupère les munitions. Attendez, il y a un autre truc aussi. Je peux améliorer les armes. Ma négociateur, j'ai quasiment tout amélioré. Il y a juste le tir rapide et le napalm que j'ai pas mis. Et je sais pas si le napalm, ça vaut le coup. Allez, on va l'acheter en espérant vraiment que ça vaille le coup. Sinon, je serai tristesse. Ok, d'accord. Faut détruire les tourelles. Et voilà. C'est bon. C'est fait. Pour l'instant, je m'en sors bien. Les armes sont vraiment efficaces. Hein. Là, avec toutes les augmentations qu'il y a dessus, c'est vraiment dévastateur. Allez, une de moins. Une de moins. Il faut que je touche l'autre, là. Et voilà. Il n'y a plus rien. C'est tellement efficace. Lance rapace, allez, on va l'utiliser. J'ai ma vie qui augmente. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas utilisé, cette arme. Avant, je la kiffais trop. Mais comme elle était déjà à fond, bah, je pouvais plus l'utiliser. Voilà, on va peut-être essayer d'utiliser le pic à pic. What? Bah merde. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, par contre, what the fuck? Ah, c'est bon, heureusement, j'ai récupéré un petit peu de munitions. Oh non, une munition de gâchée pour rien. Mais putain, deux munitions. Ok, j'en ai détruit une. Allez, on va bien réussir à tout détruire quand même. Avec quelle arme, par contre? Aïe, aïe, aïe. C'est compliqué là. Ah, j'ai récupéré toutes mes munitions. What? Bah, je comprends pas comment, mais merci. Tant mieux. Hein. Parce que sans cette arme là, j'étais un peu en PLS. Ok, donc Miss Apogée va nous rejoindre. Nous, en attendant, on va fumer ces deux gars. Voilà. Je regarde à gauche, à droite, s'il n'y a pas quelque chose de caché. Des plans. Ou des boulons. Ou que sais-je. Bon, il n'y a rien. Donc on se déguise en pirate. Et on va danser. Et on va danser. La jungle. Ah, la gigue. En haut.
À gauche. En haut. À droite. En haut. À gauche. Bouge ton corps. En haut. À gauche. À gauche. Bouge ton corps. Ou lui. Lui va piquer, alors va falloir le défoncer très rapidement. Allez hop, vite qu'on récupère un maximum de choses. Malheureusement, j'ai pas de munitions. Donc on... Tant pis, on n'améliore pas d'armes. C'est pas trop grave. Tant que j'arrive à m'en sortir. Cette arme-là, elle reste très très efficace. Et c'est une arme que j'aime beaucoup. Donc c'est cool. V4. 8000 de dégâts, mais what the fuck. Genre la truc, elle est impressionnante. Voilà, au revoir. Hop, on récupère un maximum de cristaux. On récupère les munitions. Donc l'alpha dérangeur, il y a quoi qu'on pourrait améliorer? La cadence de tir, le nombre de munitions. Ça, c'est trop important. Voilà. On passe de 4 à 5. Et c'est tellement important. Ça a l'air de rien, mais... Du coup, ça fait 8000 de dégâts supplémentaires. Je crois que c'est la meilleure amélioration qu'on peut faire. Allez, on commence. En haut, à gauche, en haut, on bouge son corps, en haut, à droite, en haut, on bouge son corps, en haut, bouge son corps, en haut, à gauche, en haut, bouge son corps. Rendez-moi ça, Slag. T'as choisi le mauvais endroit pour te battre, mon pote. Peut-être qu'une bonne grosse raclée t'apprendrait à pas te mêler des affaires de corsaire. Félicitations, Captain. Vous avez fait une rime. La ferme, Pete. Ouais, Captain, compris. Préparez la cale, mes bras. Les rats vont manger du lombax ce soir. Je vais le défoncer. On se tape contre Slag. Le Slag. Faut que j'arrête avec cette blague pourrie. Ok. J'ai pris tellement cher. Allez. Nuit toxique pour eux. Plus. Zurkon. J'avais dit que j'utiliserais plus, mais contre eux, je peux l'utiliser, non? Voilà. Waouh! La PS3 s'est mise à... Le ventilo. Je crois qu'un jour, elle va me lâcher. Et ce jour-là, je vais être en PLS. Je serai très triste. Et voilà, j'ai utilisé une balle pour rien. On remet... La nuit est toxique. Et pourquoi pas ça? Un petit Zurkon aussi, tiens. Hop. Et les petites flammes. Et c'est que ça fonctionne bien contre lui, hein. Utiliser un peu ça. Alors attends. Nuit toxique. Oh, j'ai pris cher. Alors allez, on utilise l'alpha dérangeur contre lui. Il est pas mort, si? Non.
bientôt. Je vais me battre contre Pete ? Non. C'est un lâche. Et je l'aime bien. Il est marrant. À mon avis, là, c'est la fin. Si je merde pas, c'est bon. Oh, comment ça lui met trop de dégâts, c'est ouf. Premier coup. Oh, la fin est proche. Oh, c'est merveilleux, Pete. Une lumière blanche tout au bout du tunnel. Oh, des femmes, autant que mon œil peut voir. Elles ont toutes une panne de grog et sourient à ce bon vieux Slag. Au revoir, cruelle galaxie. Au revoir. Captain ? Captain ? Non ! Non ! Non ! Maintenant que t'es notre nouveau capitaine, tu vas avoir besoin d'un nom de pirate sympa. Ratchet, le pirate de la terreur. Quoi ? Je suis votre nouveau capitaine ? Ouais. C'est le code, Dieu. Merci, mais je préférerais le dimensionnateur. Ratchet, il faut qu'on mette cet engin hors d'usage. Il est bien trop dangereux. Oui, je vois. Moi qui pensais que les Lombax avaient inventé un truc utile. C'est fou d'utiliser ce dispositif, vu le risque qu'il représente. Quel risque? Tu sais, depuis que j'ai inventé la luge roquette, tu n'as pas arrêté de critiquer tout ce que je... Ah ! Quoi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je prouve à l'univers que je suis un super-héros. Je combats aussi les méchants en tout genre. Mais j'aime bien le côté super-héros. Quark, pose ce dimensionnateur. Et mon nom restera gravé dans les annales de l'histoire galactique pour avoir envoyé cet engin de malheur dans un trou noir. Pas de problème, Captain. Ce vaisseau va tracer la route jusqu'à la prochaine planète. Et c'est quelle planète? C'est le territoire Krogmid, Capitaine. Un Krog? Ratchet, je peux télécharger les coordonnées du territoire Krogmid à partir du communicateur de Kronk. Vas-y, dis-leur de nous retrouver à l'extérieur de la stratosphère. Allez, il faut qu'on retourne sur la Félion. D'accord, donc voilà. Cet enfoiré de Quark a encore tout gâché, comme d'habitude. On récupère ce truc. Je sais pas c'est quoi. Tu as acquis le cartographeur de trésors. Cet appareil qui porte bien son nom te révèle toutes les zones et les boulons en or cachés. Un outil indispensable pour tout pirate nomade. Voilà, bah c'est parfait. Slag, finalement, ça n'a pas été une grande menace. Je l'ai bien défoncé. Merci de m'avoir dit d'augmenter toutes les armes. Ça m'a beaucoup aidé, je pense. Donc là, voilà, je récupère mes munitions et on se dit à la prochaine pour le prochain épisode sur Ratchet & Clank, Opération Destruction. A plus, dans le bus. Yo, comme j'ai fini l'épisode beaucoup plus tôt vu que j'ai défoncé Slag, je me suis dit que j'allais revérifier s'il n'y avait pas un autre endroit sur la planète pirate et tadaaa ! Voilà sur quoi je suis tombé. Donc il y avait bien un autre endroit, c'est bien ce qui me semblait. Donc on va voir ce qu'il y a derrière. J'espère qu'il y a quelque chose d'intéressant. Moi j'aimerais bien des cristaux. Pour pouvoir encore améliorer mes armes. Plus encore. À droite. À gauche. À gauche. En haut, à gauche, à droite, à gauche, on bouge son corps, on bouge son corps, voilà, qu'est-ce qu'il y a ici,
Ok, on monte. Ok. Toi, bouffe ça. Ah, je suis trop content, j'ai défoncé Slag. Je m'attendais à ce qu'il soit très très fort. Mais finalement, il a pas fait un pli le bordel. Ok. Je regarde bien que je loupe rien, d'accord, il n'y a rien ici. Ok. C'était juste pour un boulon. Ah. Moi, je kiffe pas trop les boulons. Bah, je vous l'ai déjà dit, mais ça se confirme. Parce que de toute façon, ça sert à rien. Les transformations possibles sont pas top. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous, n'hésitez pas à me le dire. Mais genre, juste Ratchet en smoking, ça vaut déjà 10 fois plus le coup que n'importe quel... transformation possible dans cet opus. Si, c'est un de mes points négatifs. Je vais en profiter, tiens, pour parler un peu du jeu, mais genre, il n'y a pas beaucoup de choses que j'aime pas dans le jeu. L'univers, je l'adore. Les ennemis, je les adore. Les nouveaux personnages, je les trouve sympas. Mais par contre, bah ça, tu vois, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé pouvoir transformer Ratchet en plusieurs... Bon, nouveau personnage, quoi, mais qui soit classe. Pas qui ressemble à des pouilleux, quoi. Bon. Tant pis, hein, c'est comme ça, et puis c'est tout. Bref, on se laisse ici pour cet épisode, et on se retrouve très très vite pour la suite. A plus dans le...